regarde la télé pour avoir des nouvelles du monde. J'ouvre la porte et je disparais. Une succession de nouvelles immondes dont je mets des lectes placides qui me conditionnent et m'empêchent de me plaindre de ma condition. Je ferme les yeux et je compte les étoiles. Je me demande où elles vont et surtout d'où elles viennent. Je ferai peut-être un rêve ou peut-être pas. J'ouvre la porte et je disparais. Regardez-moi, je n'ai plus de rage, je n'ai plus de larmes. Je suis perdu, j'ai peur, je préfère me taire. Je ne ferai pas d'histoire, je resterai dans le noir. Je m'étoufferai s'il le faut avec mon cafard pour moi. Il est déjà trop tard. Je suis perdu, caché derrière toute ma lâcheté. J'avais décidé de mettre cette qualité en avant. Une passion devenue obsession. Elle était sûre, elle était mûre. Tout mettre en œuvre quant à la réalisation de son projet devenait pour elle une priorité. Mais voilà, ils te volent tous les rêves qui traînent, toutes les graines que tu sèmes. Car c'est l'or de nos yeux qu'ils nous prennent, ils nous saignent, et on en crève, et cette haine me dévore. Regardez-moi, je n'ai plus de rage, je n'ai plus de larmes, je suis perdu, j'ai peur, je préfère me taire. Je ne ferai pas d'histoire, je resterai dans le noir, je m'étoufferai s'il le faut avec mon cafard. J'ai peur, je préfère me taire. Je ne ferai pas d'histoire, je resterai dans le noir. Je m'étoufferai s'il le faut avec mon cafard pour moi. Il est déjà trop tard. Je suis